Dans notre instant sagesse, le proverbe que j'ai choisi, c'est Ne craignez pas d'être lent, craignez simplement d'être à l'arrêt. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi j'ai choisi ce proverbe Parce que les, les concepts et les valeurs que je vous présente, le plus souvent, vont, vont à l'encontre de, de certaines croyances ou de, de ce qui est colporté par la science moderne. Et là, il peut y avoir un choc, un choc culturel. Ce type de choc va avoir pour effet de générer une peur. On l'a vu la dernière fois. Cette peur, c'est la peur de l'inconnu. Et la science, quand elle est bien carrée, avec des protocoles bien carrés, eh bien, le carré, il est sécurisant. Et ne craignez pas d'être lent, craignez simplement d'être à l'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut laisser le temps à ces personnes de s'approprier de nouvelles idées. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo la dernière fois la semaine dernière sur la transformation parce que la transformation nécessite de lâcher l'inconnu. Donc vous voyez, c'est un processus qui peut prendre du temps parce que la personne doit commencer à s'approprier ah tiens, il y a une idée différente, c'est pas ce que je pensais ou là oui mais là ça va m'amener dans des espaces que je connais pas. Ah oui, mais peut-être que c'est intéressant. Donc si elle a un animal ou un enfant, elle va se dire ah bah allez pour lui, je vais, je vais quand même essayer de me pencher sur le problème. Puis ça va faire son chemin petit à petit, mais ça prend du temps. Et passer au naturel, vous voyez, si vous avez l'habitude d'être dans du chimique, de vermifuger tous les trois mois, comme votre vétérinaire vous l'a dit, parce qu'un laboratoire lui a dit avec des études cliniques, machin, eh bien, dire maintenant, je sors de l'autorité du vétérinaire. C'est pas papa le vétérinaire. Je suis son client. D'accord Voilà. Et euh, il me donne une recommandation. OK. Il me donne une recommandation avec son point de vue. Comme moi, je vous donne une recommandation avec mon point de vue. Et après, vous, comme une grande personne, vous allez faire votre marché. Vous allez comparer les points de vue. Et puis voir quel est celui qui vous semble le plus pertinent. Mais déjà de pouvoir envisager deux points de vue pour les comparer, vous avez vu combien ces dernières années ça a été difficile. Parce qu'on vous livrait un point de vue et toute personne qui en avait un autre était immédiatement éjectée. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et pour réussir à envisager d'autres points de vue, parce qu'il n'y en a pas que deux, il peut y en avoir moult. Euh, je veux dire, là, vous avez besoin d'étudier le dossier, de pouvoir envisager, c'est ce que Étienne euh, Klein, j'ai aucun lien de parenté, Étienne Klein, c'est un physicien qui est très pédagogue, je vous invite à l'écouter sur le net, et il parle souvent d'expérience de pensée. Donc, c'est intéressant quand quelqu'un vous amène une idée nouvelle qui vous semble un petit peu choquante, faites l'expérience de penser, mais que serait le monde Ou qu'est-ce que je serais si c'était vrai Ou si euh, j'adhérais à, à, à ce que la personne me dit. Et là, ben vous pouvez vous projeter dans quelque chose, vous pouvez faire cette expérience de penser. Einstein, il a imaginé qu'il chevauchait un rayon lumineux quand il a inventé la théorie de la relativité. Voilà, c'est ça. Donc, faites des expériences de pensée. Et puis, ces expériences de pensée vont vous permettre d'appréhender différents points de vue. Et puis, après, vous faites votre synthèse, vous faites vos choix, vous faites vos expériences. Et. Une fois que vous avez fait vos, vos expériences, ben vous pouvez réajuster et puis, et puis vous adapter. Mais je veux dire là, avec ça, on est vraiment dans un domaine où, où je veux dire on ne prend quasiment aucun risque. Si vous faites, si vous vermifugez tous les trois mois ou tous les quatre mois, vous n'engagez pas la vie de votre animal. Voyez, voilà. C'est donc passer au naturel sur des produits. Comme le vermifuge, c'est toute une démarche. C'est voir la vie autrement. C'est rentrer dans une logique écologique, mais, mais au sens large. Peut-être que si on, on continue nos lives pendant quelques années, on, on va gentiment glisser vers des choses un petit peu plus spirituelles. Ouais, mais ça, il faut du temps. Donc, il y a quelque part toute la difficulté, c'est d'accepter que certaines personnes. Euh, ne soient pas sur le, le même plan d'évolution. Ça veut dire qu'elles sont peut-être plus avancées sur d'autres plans, moins avancées, vous voyez, tout le monde est différent. Et là, quand on va parler de soins, eh bien, on n'aura pas forcément la même vision des choses parce que pas les mêmes expériences, pas les mêmes vécus, pas le même... Voilà. Bon. Et donc, si la personne n'a pas encore cette conscience écologique, si la personne n'a pas conscience qu'elle pollue son être quand elle prend de la chimie, qu'elle pollue son jardin quand elle utilise de la chimie, qu'elle pollue son animal quand elle utilise de la chimie, bon, qu'est-ce que vous voulez faire à ça On l'a vu avec la soupe, hein, euh, c'est quand il euh, y a eu un certain nombre d'inconvénients que beaucoup de gens ont dit ah bah non 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 ouais c'est non bah on va s'arrêter là. Bah oui, mais mais au départ ils ont quand même fait confiance à la science. Bon. Moi, pas, parce que je connaissais le dossier. Mais, mais voilà. Le côté perturbant, il vient aussi de la résistance au changement. Hein, ça, ça rejoint ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Vous voyez que dans ce que je, ce que j'évoque, il y a du sens et il y a une logique, même si vous ne l'apercevez pas forcément. Voilà. Voir les choses autrement, c'est accepter de se transformer, accepter l'inconnu. Et ça, ça peut parfois prendre du temps. Et c'est pour ça que je répète, répète, répète et sur-répète les mêmes choses. Parce que, à force, ça va faire son chemin. Donc, en conclusion, idéalement, l'idée c'est de respecter déjà son propre rythme, de ne pas euh, s'en vouloir parce qu'on a peur, et puis ah ouais, ouais, d'accord, ouais, euh, Jean-Luc il a dit que la, le, le Chong, c'était bien, ouais, mais moi j'ai peur et je préfère donner un vermifuge chimique. Eh bien, très bien, très bien, ça va faire son chemin. Et puis vous savez très bien que pour certaines choses, il faut des années avant de franchir le pas. Mais c'est pas un problème. Donc soyez doux avec vous-même, respectez votre rythme et puis idéalement respectez le, le rythme des autres. Voilà, c'était un peu un, un message de tolérance que j'avais envie de. Alors j'en ai autant besoin que vous hein, de la tolérance parce que vu ce qui s'est passé euh, tout ce temps et quand on voit comme ça tombe comme des mouches, ouais, on se dit pff, ouais bon, c'est pas faute d'avoir alerté, mais bon. Donc, un peu de tolérance dans ce monde de brut. Respectez votre rythme si euh, vous n'avez pas encore cette conscience hyper écologique ou si vous avez encore des peurs qui font que vous doutez et que vous préférez. Euh, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fera son chemin. Et c'est aussi l'intérêt du groupe où on partage les expériences. Et euh, à partir de ce moment-là, ça, ça, va, ça va cheminer. Donc, si vous êtes déjà là, c'est que vous, avez dé... vous êtes déjà dans un certain niveau de conscience. Donc, valorisez là où vous êtes, et puis valorisez là où en sont les autres, et puis valorisez aussi bah, leur progression, et même si parfois elle est un, elle est un petit peu lente. Quoi. Voilà, c'était le petit message de tolérance du soir. Euh... Voilà pour notre instant sagesse. Donc, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Le monde avance, il avance lentement, peut-être trop lentement pour certaines personnes dont je fais partie, mais ça avance, donc soyons patients. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.